c'est le journal créatif de la semaine. Donc, vous êtes en train de regarder On est dimanche. Moi, je suis en train de filmer On est samedi soir. Donc, d'abord, bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles sur la chaîne. Vous continuez à être de plus en plus nombreux. Ça, c'est super. Voilà Fifi qui vient vous dire bonjour. Dis bonjour. Tu dis... Ça va, vous me voyez? Bon, elle entend des enfants jouer dehors. Alors, le journal créatif, je rappelle toujours un petit peu ce que c'est. Oh, Fifi, tu m'as fait gratter mon nez avec tes poils. je vous montre tout ce que j'ai fait dans la semaine en créatif, c'est-à-dire en broderie, tricot, crochet, d'épée, voilà, et toute autre chose que j'aurais pu faire. Alors, cette semaine, j'avais prévu pas mal de choses. J'avais prévu, alors c'est toujours comme un peu pareil en ce moment, hein, vous le savez, mais bon, il va, dès qu'il y a des choses qui vont se terminer, ce sera remplacé par d'autres. Bon, ça y est. Allez, assieds-toi. Assis. Voilà. Assis. Alors, bien sûr, elle met sa queue sur mon carnet. J'avais prévu de faire... Alors, la semaine dernière, je me suis aperçue que j'ai oublié de vous parler du challenge que je me fais. Donc, je prévois 3000 croix par semaine. Mais la semaine dernière, j'avais oublié de vous donner mon total. La semaine dernière, j'ai fait 3371 croix. Voilà. Cette semaine, bah, toujours mon petit challenge de 3000 croix. Mais vous verrez, je pense pas l'avoir atteint cette semaine. Je vous expliquerai après. Alors, en broderie, j'ai toujours mes ronds bleus de chez Lanart, mes pans royaux de chez All Forest, le toast à l'œuf de Magic Needle, le Bouddha de Poussière d'Étoile, ma grenouille de Poussière d'Étoile également, mes carottes, mon jus de carottes de Lily Point. Ensuite, dans les salles, pardon, il y a le colibri que j'organise avec une création de poussière d'étoiles de Sabine. Ma maison météo, voilà, ça c'est une de mes créations perso. Le salle du nouvel an, donc automne ou hiver. Le salle mystère, alors qui est déjà terminé, mais moi je ne l'ai pas fini, qui est de pareil de poussière d'étoiles. Le salle des ours de Noël de chez All Forest, ça c'est un salle que moi j'organise. Le salle de Alice au Pays des Merveilles, All Forest également, que j'organise également, voilà. Et il y a le All Forest que Julia organise, le Pinky of Autumn. Ensuite, il y a les estampés. Donc, comme vous avez vu que j'avais fait un tirage au sort avec la roue. Et c'était la Dame de Noël et le Cerf. Voilà, donc il y avait ces deux broderies-là en estampé. En achat ED, j'avais tiré au sort le paysage et la steampunk. Voilà. Ensuite, je devais avancer sur deux pulls, puisque là, pareil, j'avais fait un tirage au sort. Le pull de Chouchou, le débardeur, et mon nouveau pull, le pull Armel. Voilà. Je crois avoir tout dit. Et le DP, bien sûr. Voilà. Alors, que je vous explique. Tout n'a pas été fait cette semaine. C'est pour ça que je vous dis, je pense que la vidéo sera plus courte.
Vous êtes pas mal. Tout n'a pas été fait cette semaine parce que ben, j'ai en plus des courses, voilà, des choses de la vie courante. Petit souci de santé. J'ai dû aller chez le docteur mardi. Oui, j'y suis allée mardi parce que j'ai pas réussi à avoir de rendez-vous lundi. Parce que dimanche, en faisant le montage de ma vidéo, j'étais pas bien du tout. Ça fait 2, 3 fois que ça m'arrive. Et du coup, là, je m'inquiète un peu plus. J'ai eu comme des crampes. J'étais serrée ici à la poitrine. Vraiment serrée à la gorge, serrée très très fort. Et je me suis quand même un peu inquiétée. Donc, je suis allée chez le docteur. Le docteur, par prudence, m'envoie au cardiologue. Voilà. Mais bon, j'ai pas de rendez-vous avant le mois de juillet. J'ai essayé d'appeler l'hôpital pour avoir un rendez-vous plus près. Eux, c'est janvier 2025. Donc, j'ai gardé mon rendez-vous du mois de juillet. Par contre, il m'a dit que si ça le refait, ben là, il ne faut pas que je cherche à comprendre. Il faut que j'appelle les pompiers. Bon, comme il m'a dit, il vaut mieux les appeler pour rien et être tranquille que de ne pas les appeler et puis d'avoir un problème. Voilà. Bon, mais sinon, ça va. Il n'y a rien d'alarmant pour l'instant. Mais c'est parce que ça me le fait. Ça fait 2, 3 fois que ça me le fait. Pourtant, il y a 2 ans, on m'a dit que j'avais un très bon cœur. Mais bon, c'était il y a 2 ans. Donc, voilà. Donc, j'ai dû aller au docteur, tout ça. Et cette semaine, je suis quand même assez fatiguée. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pour ainsi dire pas brodé. J'ai fait un petit bout de broderie et j'ai pas pu faire. Fifi, s'il te plaît, allez. J'ai pas pu faire plus parce que ben, j'ai fait une migraine ophtalmique. Et là, je suis encore. Bon, la migraine est partie, mais maintenant, c'est le mal de tête qui est là. Et le gros coup de fatigue. Parce qu'après une migraine ophtalmique, vous êtes KO. Donc, c'était une petite semaine, voilà. Bon, entre deux, j'ai réussi quand même à faire un peu mon jardin. Je sais, c'est pas raisonnable, mais bon, il n'y a pas, il faut le faire. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est une petite semaine, mais voilà, on fera mieux la semaine prochaine. Puis j'étais chez le coiffeur, voilà. Faire un petit débroussaillage. J'y étais quand? Bah hier, vendredi. C'est Chouchou m'a dit tu veux pas aller chez le coiffeur? Il serait peut-être temps. Effectivement. Donc j'y suis allée et puis voilà. Alors je vais essayer de ne pas bâiller, malgré que là je suis très 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 fatiguée. Mais bon, c'est pour ça que je vous dis, la vidéo ne va pas faire 2 heures aujourd'hui, je ne pense pas, malgré que ça fait déjà 10 minutes que je papote. Allez, on attaque. On attaque les filles. Donc, cette semaine, non, non, tu sais rien, c'est les toutous qui aboient, tu ne vas pas t'y mettre. Le DP. Alors, j'ai fait... Bon, les petits papiers noirs ne veulent plus tenir. Donc, bah, de toute façon, maintenant, vous savez, je vais essayer de ne pas les perdre en route. Voilà. J'ai fait 2 cases. Voilà. Ça va, Fifi? Oui. Ah, ça l'embête, le bruit dehors. Voilà, j'ai fait 2 cases. Bon, maintenant, ça y est, je crois que vous voyez ce que... C'est pas possible.
Ça y est. Je pense que maintenant vous savez ce qu'il y a derrière l'image. Donc, il me... alors j'ai fait deux cases aujourd'hui. J'ai réussi à en faire deux. Je les ai faites ce matin. Donc, il en reste cinq. Voilà. Donc, ça se termine. Il en reste cinq. Je vous remets la photo. Ce sera beaucoup plus mieux. ce sera mieux. Alors, il vous reste la case 1, la 11, la 13, la 14 et la 16. Donc, je vais vous demander de voter pour deux ou trois cases. Voilà, donc là, il reste il reste deux fois à faire et il sera terminé. Donc, je vais vous laisser voter, de choisir des cases. Alors, la semaine dernière, on n'avait pas été très, très nombreux et nombreuses à laisser des commentaires. Mais bon, je comprends, hein, des fois, on n'est pas tous au taquet sur YouTube non plus. Mais voilà. Donc, je n'avais pas eu beaucoup de numéros de choisis, mais voilà. Alors, pour le DP, voilà, c'est fait. J'ai rien fait d'autre en DP. De toute façon, je vous dis, j'ai pas fait d'extra cette semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ici. Oui. Carottes. Oui. J'ai sorti mes carottes cette semaine. Bon, c'est pareil, j'ai pas fait beaucoup, mais je crois que je les ai fait lundi, ça ou je sais plus. Je les fais quand, mes carottes? Mes carottes. Alors, non, je les ai fait jeudi, mes carottes. Voilà. Ah! Quand je vous ai fait la vidéo de l'aiguille boule. N'hésitez pas à les revoir en arrière. Là, il y a une ou deux vidéos en arrière. Je vous ai fait la démonstration de l'aiguille boule. Et du coup, j'avais fait trois points sur cette broderie-là. J'ai oublié de les enlever. Donc, bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai toujours pas fini mon feuillage, mais il a avancé. Ici, voilà, j'ai travaillé ici. Et ici, voilà. Donc ça avance avec un petit peu de difficulté puisque je vous avais dit il y avait des petites erreurs à droite à gauche, mais bon, je m'en arrange. Mais bon, il est quand même temps. Je vous l'avais déjà dit, hein, il est temps que ça se termine. Mais là, bon, je l'avais ressorti, j'y a pas. Il faut que je m'y remette. Donc je m'y suis remis un petit peu et les feuillages avancent doucement mais sûrement. Voilà. Enfin. Allez. Sur le côté. Ensuite, j'ai fait mon colibri. Alors ça, je l'ai fait quand? Je l'ai fait mercredi, le colibri. Voilà, j'ai l'aiguille qui va s'en aller. Attendez. Je vais la piquer là. Hop. Voilà. Et voilà, alors j'ai toujours pas fini mon étape 1, hein, mais j'avais attaqué mon étape 2. Là, j'ai travaillé ici, sur cette partie-là, qui fait partie de l'étape 1 du sale. J'ai fait 265 croix
Et je suis à 16,43%. Voilà. Mais toujours aussi agréable à faire. C'est un vrai bonbon, cette broderie. Il n'y a pas de souci. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas hein, cette semaine si la vidéo n'est pas très très longue. Mais comme je vous ai dit, je me rattraperai la semaine prochaine. Hop, voilà. Ça. Non, j'ai pas fait le Bouddha. Je vérifie mes. Non, j'ai pas fait le Bouddha cette semaine. J'ai fait quoi? Ça, c'est quoi? Oui. Ah ben, c'est celle que j'ai fait cet après-midi. Avant de faire mon malaise. Et en plus, la preuve que j'étais pas bien parce que je me suis aperçue qu'il y a une erreur. Et ah bah ça y est, je viens de l'avoir mon erreur chez Wally. Bon, ça va, il n'y aura pas grand-chose à démonter. Mais là, je suis obligée de démonter. Ça y est, je viens de là. Vous voyez, maintenant, tout à l'heure, j'ai dit il y a une erreur, mais j'étais en pleine migraine et je trouvais pas comme je voyais tout trouble. Je trouvais pas l'erreur. Là, je vois clair. J'ai vu l'erreur. Bon, ça va, il y a quoi 10-15 points à enlever. C'est pas grave. Alors, j'ai pas fait grand-chose. J'aurais pas su faire plus, hein, de toute façon. Je peux pas faire de miracle. Hein. Quand on n'est pas bien, ben, on n'est pas bien. J'ai fait les papates. Voilà. Les papates de l'ours, en fait. Et du coup, mon erreur est ici. Voilà, j'ai fait une colonne en trop. Donc, je vais enlever cette colonne-là, marron et blanche, là, la dernière, et retirer ça, et je refais. Il y a pas, ça va aller vite. Mais voilà, c'est juste au moment où j'ai fait ma migraine. Quand on n'est pas bien, on n'est pas bien, mais voilà. Donc, mon nounours a ses papates. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Je n'aurais pas su, j'aurais pas pu faire plus. Mais vraiment, il n'y a que ce soir, j'ai refait quelques points sur un de mes estampés, parce que ça allait un peu mieux. Et puis que l'estampé, c'est moins fatigant pour les yeux. Voilà. Mais sinon, j'ai vraiment pas su faire plus. C'est étonnant de ma part, hein, mais voilà. Donc, mais ça va. Là, du coup, tout à l'heure, je vous jure, j'ai cherché, cherché, cherché. J'ai dit, mais elle est où cette erreur? Là, en 2 secondes, là, je viens de la voir. Tant mieux. Ça, non. Ça, non. J'ai pas fait ma grenouille. Alors, je vais vous lire ce que je n'ai pas fait déjà. Je n'ai pas fait les ronds. Le toast à l'œuf, je ne l'ai pas fait. Le bouddha, je ne l'ai pas fait. La grenouille, je ne l'ai pas fait. J'ai vraiment pas travaillé beaucoup hein, cette semaine. Le salle du Nouvel An non plus, le Alice au Pays des Merveilles non plus, et le salle de Julia. Voilà. Tout ça, j'ai pas fait. J'aurais pas su. Dis, bon, y arrive un moment, si on peut pas, on peut pas. Alors, est-ce que j'ai des choses à vous. Du coup, là, non. Ça, c'est quoi? Si, celui-là, je l'ai fait. Alors, j'ai commencé l'étape 5. Mais je vous rappelle que là, ce sale est terminé hein, depuis un petit moment déjà.
Mais j'ai commencé l'étape 5. Alors, est-ce que vous allez bien le voir? Je ne suis pas sûre. Est-ce que j'ai quelque chose pour cacher derrière? Voilà. Ah bah, comme ça, on voit mieux. Voilà. Vous voyez, tout ce qui est fait là, sur le côté. Voilà, j'ai fait ça. Donc, c'est dans l'étape 5 du sale mystère de poussière d'étoile, hein, de Sabine. Voilà. Alors, par contre, je me demande si j'ai pas fait une bêtise en comptant sur mon pattern keeper. Ou alors, est-ce que j'ai une erreur là? Je ne sais pas. Parce que là, on me dit objectif 5 de 150 points. Et là, je n'ai pas terminé l'objectif 5. Et j'ai fait. Oui. J'ai fait dimanche, non? Non, j'ai pas fait dimanche. Je l'ai fait quand? Ah, le voilà. Que j'aurais fait 325 croix. Ou alors j'ai une erreur. Parce que je sais que Sabine l'avait changé. Alors, est-ce que ça, c'est pas l'ancien? Sabine, si tu passes par là, tu me diras. Mais bon, c'est pas très grave. Là, j'ai fait 300. 325 croix, même quand je tousse, ça tape dans ma tête. Voilà. Mais de toute façon, cette étape-là n'est pas très longue, hein. Donc ça devrait aller. Oh, demain, on va aller. Enfin, donc là, aujourd'hui, dimanche, donc on va quand même aller faire une petite balade au marché en Belgique. En plus, demain, c'est enfin dimanche, donc aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Donc, on se fait une petite sortie au marché. Voilà, on va aller faire deux, trois petits achats et puis se faire un petit cadeau pour notre anniversaire. Et puis bon, prendre l'air, ça, je crois que ça va me faire du bien. Bon, Fifi, maman, elle t'aime, elle t'adore, t'es l'amour de sa vie, mais j'ai besoin de la place pour montrer, parce que j'ai pas fini de montrer. Allez, dans cela, je crois que c'est tout dans ce sac. Ouais, là c'est tout. Ensuite, alors attendez, je remets ça dans le sac. Alors voilà, j'ai rangé ce qu'il y avait dans le sac et j'ai sorti mes estampés. Alors, au tirage au sort, au niveau des estampés, j'avais tiré au sort la dame de Noël et la broderie du cerf. Voilà. Alors, la dame de Noël, je vous rappelle que c'est celle-ci. Voilà. Je l'ai un peu avancée. Pas beaucoup, hein, mais je l'ai avancée. Alors, attendez. Je vous montre. Voilà, donc ça, cette partie-là, c'est celle qui était faite. Là, dans le jaune, tout le doré n'est pas encore brodé, hein. Tout ce qui est jaune, c'est du doré. Moi, j'ai fait ici, voilà. Donc le rouge, là, vous voyez. Là, également, ici. Et cette partie-là, voilà. Bon, vous allez dire que c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, hein? De toute façon, je l'ai repris, donc maintenant je vais l'avancer petit à petit. Il faut que je brode tout le doré là du bas.
Donc ça, c'est la partie la plus longue, hein. Là, moi, je la brode. Alors, je ne brode pas avec le fil qui était donné, parce qu'il était de mauvaise qualité. Moi, je le brode avec ça. Voilà. Donc, c'est le fil diamant de chez DMC. Voilà. Et celui-là, c'est le D3821. Voilà. Il y a plusieurs dorés. Sur comment en fil diamant, alors attendez, ah voilà, chercher le petit cran, j'arrive pas à le remettre dans le cran, voilà, ça y est. Donc celui-là, c'est le vraiment le doré, voilà. Et il y a des dorés un peu plus foncés, il y en a un peu plus clair. Après, il y a plusieurs couleurs. Il y a de l'argenté, il y a du cuivre, voilà. Et après, j'aurai toutes les perles à mettre également. Alors, on m'a posé la question, parce que là, il y a 5 modèles hein, dans cette série-là. Il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver et Noël. Non, je de mémoire, parce que les autres, je ne les ai pas, de mémoire, en Joy Sunday, hein, je vous parle pas en modèle original, parce que là, malheureusement, c'est une copie. Je sais, normalement, j'aime pas faire les copies, mais celle-là, je l'avais déjà commencé, donc je vais la terminer. Et de mémoire, je crois que ce n'y a que celle de Noël où il y aurait des perles. Normalement, voilà, donc j'ai quand même beaucoup de perles, voyez, à broder dessus. Hop. Ensuite, donc, j'avais tiré au sort le cerf. Alors, le cerf, il est là. C'est celui-ci. Alors ici, j'ai changé un peu du orange, parce que j'avais déjà fait commencer les feuillages, hein, vous voyez, là. Alors, de temps en temps, je vais un peu là. Bon. Mais là, j'ai commencé le gris qui était ici pour changer un peu. Voilà. J'ai fait 100, 200, 300. Ouais, j'ai fait à peu près 350 croix. Voilà. Donc, je vous montre derrière. Voyez. Voilà, j'ai fait toute cette partie-là. Ça paraît pas, hein, mais je vous dis, il y a à peu près 350 croix. Là. Vous voyez, il n'y a pas encore... il y a encore du boulot hein, dessus. Mais voilà, je l'aime. J'aime beaucoup, il est agréable à faire. C'est du bloc, il n'y a pas de point arrière, il n'y a rien. C'est vraiment... C'est pour ça, là, je vous dis, pas cet après-midi, mais plutôt avant de souper. Je me suis remise un petit peu dessus aujourd'hui, ça m'a reposé un peu la tête, et parce que j'aurais pas pu faire les autres broderies de toute façon aujourd'hui, c'était vraiment pas possible. Bon, je sais ce que vous allez me dire, t'aurais pu aussi poser, ne pas prendre ton estampé et te reposer. Oui, je sais. Mais bon, c'est difficile pour moi de rester sans rien faire. Ensuite, niveau des estampées, donc celle-là, elle n'est pas dans le tirage au sort de la roue. Je la fais parce que je dois la faire. Alors, j'ai fait une boulette. Ah, je vous dis, c'était pas ma semaine. J'ai fait une boulette. Alors, je sais, elle est même encore là, ma boulette. Je vois que j'ai oublié de l'enlever. Alors, vous voyez, mon nœud est fermé, hein, il n'y a plus de fil. Je n'ai même pas fait gaffe.
Je sais pas ce que j'ai foutu. Ah, c'est une semaine, mais alors terrible. Hein. Donc j'ai fait un nœud sur le devant, je m'en suis pas aperçue. Mais bon, c'est rien, je vais l'enlever. Demain, je l'enlèverai et puis voilà. Donc voilà où j'en suis. Ça avance bien même. Donc cette couleur-là, elle est finie aussi. Donc là maintenant, il m'en reste. Alors, il me reste les petites croix, le bleu, un petit trait, les petits ronds, le rose et les traits dans l'autre sens. Ouais, il me reste 5 ou 6 couleurs à faire quand même. Mais c'est des petites parties, donc voilà. Donc cette broderie, normalement, je la fais en duo, mais j'ai plus de nouvelles pour l'instant de ma binôme. Moi, je continue. Voilà. Donc, alors, bah, tant qu'on y est, qu'on parle des estampés, on va faire le tirage au sort pour cette semaine. Alors, les broderies estampées, voilà. Alors, je vous rappelle que dans les broderies estampées, il y a le cheval, la dame de Noël, le cerf, les lapins, et c'est tout. Donc, la fleur, elle n'est pas dedans. Allez, on va voir ce que pour dimanche soir, ce que la roue va me sortir. Oui, le cheval. Donc, le cheval pour dimanche soir. Alors, je vais me le noter tout de suite. Voilà. Et je m'en sors une deuxième pour dans la semaine, si j'ai envie de me refaire un petit estampé. Ah bah écoutez, ce sera la dame de Noël. Voilà. Voilà. Ça, ce sera pour les estampés. Alors, ensuite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on va passer sur les grandes broderies. Mais avant, j'ai une annonce à vous faire. Alors, je l'ai mis où? HAED, ce week-end. Donc, le site Heaven and Earth Dazing. Oh, là, c'est une horreur. A remis encore ses grilles de broderie à 50%. Ils veulent notre mort. Alors, je vais faire n'importe laquelle. Hein. De toute façon, c'est juste pour vous montrer que c'est à 50%. Voilà. Voyez. Et donc, profitez-en. Je pense que c'est jusqu'à dimanche soir. Comme je vous avais déjà expliqué, ils ne font pas de longues promos. Hein. Mais là, ça fait deux week-ends en suivant. Donc, bah, tant mieux. Hein. Et bien sûr.
Je ne sais pas si j'arriverai à les broder, hein, mais il a fallu que je craque. Mais c'est Chouchou qui l'a choisi. Alors, il est où? Il est là. Alors, vous saviez que j'avais pris le chat que je vais bientôt préparer. Donc, c'est une création de Malcolm Watson. Et donc, on en a choisi une deuxième. Voilà. J'ai pris, enfin, Chouchou a choisi la licorne. Voilà. Donc, elle est toute belle. Elle a, c'est une 350 sur 350 points avec 226 couleurs. Voilà. Le chat, c'est 228. Mais là, bon, il y en a deux en moins, 226. Donc 350 sur 350 points, c'est pas très très grand. Si sur une toile comme moi je fais étamine 12,6 fils, ça fait environ 66. Alors, en comptant une marge de 5 cm, hein, ça fait 66 cm sur 66. Voilà. Après, ça dépend la toile que vous choisissez, hein. Alors, j'ai comment? Alors, attendez, où est-ce que je vois? Je ne sais pas où je vois ça, par contre. J'ai une de mes abonnées tout à l'heure qui m'avait dit qu'elle avait vu que j'avais choisi ça. Elle m'a dit, t'as vu, ce créateur-là, on va en sortir des nouvelles. Mince, j'ai dit quoi comme nom? Je m'en rappelle plus. Oh là là! J'ai une mémoire de poisson rouge en plus aujourd'hui. Alors attendez, je marque son nom comme ça. Malcolm, voilà. Malcolm Watson. Donc là, dans cette série-là de Celtic, il y a plusieurs modèles, hein. Je vous rappelle, il y a le renard, le chat, la libellule, le papillon, la chouette, le renard. Le renard est magnifique aussi. Mais bon, qu'est-ce que je cherche? Je cherche le site HAED. Voilà. Alors, je ne sais pas par contre où est-ce qu'elle les a vues. Je ne sais pas où elle les a vues. Alors, par artiste, oui. Peut-être dans nouvelle version. Je sais pas où elle les a vus. Alors attendez, je vais taper le nom, hein, ça sera plus simple. Donc, Malcolm Watson. Sinon, je vais aller rechercher l'image et je vais vous la montrer. Bon, je vais chercher l'image, ça ira plus vite. Alors là, par contre, ce ne sera pas une série avec des animaux. C'est une série avec des fleurs. Alors, elle est où? J'ai tellement de messages sur mon Facebook. Ouais, je crois que c'est là. Oui. Je crois que c'est là. Et non, c'est pas là. Ah! Désolée, hein, je vous. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Alors, voilà, ici, donc normalement,
Voilà. J'y arrive, hein. J'y arrive, les enfants. Ça y est, les voilà. Voilà, ah, enfin. Voilà, il va y avoir ces modèles-là. Ah, je vous le dis aujourd'hui, quand je vous le dis, ça veut pas, hein. Ah, oh, mais voilà, il va y avoir ces modèles-là, donc avec les fleurs. C'est pas mal du tout aussi, hein. J'aime bien les trois d'en bas, mais bon, en sachant que j'ai les trois aussi que j'ai achetés la dernière fois de... Aidez-moi, je vous en supplie. Ma migraine m'a bouffé la mémoire aujourd'hui. C'est de qui j'ai acheté la dernière fois. Ah, ça y est, j'ai encore une qui... Attendez. Excusez-moi. Parce que là, du coup, j'étais en train de... Je vous montrais l'image, mais par rapport à mon groupe de Facebook. Et il y avait un message. Alors, ça m'énerve. Il y a des messages de personnes qui viennent s'inscrire sur les groupes juste pour faire de la pub pour d'autres groupes, mais c'est des groupes d'arnaque. Ça me gonfle, mais ça me gonfle. Ça nous prend du temps. On est toujours en train de devoir surveiller le groupe, surveiller les commentaires, retirer les mauvais commentaires, bannir les personnes. C'est fatigant, fatigant. Et là, du coup, j'en ai vu un tout de suite. J'ai préféré mettre en pause une demi-seconde et retirer tout de suite le message. Voilà. Excusez-moi. Ouais, du coup, je crois que je lui demande où est-ce qu'elle les a vus. Parce que je sais pas, enfin, elle a dû voir sur le HAED, sur le site, mais voilà. Et donc, moi, je vous disais que de toute façon, j'avais acheté la fois dernière, je vous avais montré. C'est où? Ah, Caroline Manning, voilà. J'avais acheté les trois kits de Caroline Manning. Donc, ben, j'ai cela à faire aussi. Alors, justement, Caroline Manning, je vous ferai peut-être voter. Pas aujourd'hui, mais je vous ferai peut-être voter sur la communauté où je verrai comment je ferai pour savoir lequel vous voulez que je commence. Voilà. Alors, il va y avoir celui-là, mais votez, ne votez pas aujourd'hui, hein. Je vous montre juste les modèles. Il va y avoir celui-là. Allez, mais c'est... Oh, excusez-moi, je m'énerve de moi. C'est de moi que je m'énerve aujourd'hui. Voilà, il va y avoir celui-là. Et il y aura... On va rester zen. Voilà. Et il y aura celui-ci. Mais ne votez pas aujourd'hui. Je mettrai ça en place dans la semaine et je vous ferai voter. Je ferai une mini vidéo certainement et puis je vous ferai voter bah, lequel des trois que vous voulez que je fasse. Voilà. Donc je pense que là... Oui, donc je vous ai montré que j'ai acheté la licorne, mais c'est Chouchou qui l'avait choisi. Et pour ceux qui ne l'avaient pas vu la semaine dernière, j'avais déjà donc celui-ci, le chat. Et là, le chat, je suis en train de le préparer, enfin, préparer la toile, les fils, tout ça. Et lui, c'est pareil. Ah, c'est pas 228 couleurs le chat, c'est 238 couleurs. Voilà. Donc il y a 12 couleurs en plus sur le chat.
Mais la taille est la même, par contre. C'est 350 sur 350. Voilà. Alors, maintenant, hop, on va mettre ça ici. Je vais vous montrer les grands. Hop, je range un petit peu en même temps. Hein. Je fais un peu mon ménage. je vais vous montrer donc les grandes broderies. Voilà. Alors, c'est quoi? Oui, celle-ci, c'est bon. Alors là, je trouve que j'ai bien avancé, par contre. Les grandes prennent de la place. Hein. Voilà, c'est ma maison météo. Alors, j'ai terminé la ligne de fenêtre ici, mais en jaune. Il me reste les boiseries à mettre. J'ai fait ma semaine. La voici. Je commence à avoir des petits points jaunes. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le nord, il a fait 23, je crois, 23, 24. Voilà. Donc, j'aurai bientôt terminé de broder la structure des fenêtres. Là, dans la semaine, je vais essayer de faire les boiseries. Peut-être pas de toutes, mais je vais essayer de faire une grosse partie. Qu'est-ce que j'ai brodé aussi dessus? Oui, des petites briques qu'il y a là, décoratives. Voilà, ici. Et là c'est tout, mais j'ai bien avancé donc sur la structure des fenêtres. Et je vous dis, là il me reste, oh, j'ai oublié une ligne là, mince. Quand je vous le dis que, regardez, alors il y a trois lignes pour faire la bordure de la fenêtre et là j'en ai mis que deux. C'est pas grave, je rajouterai. Du coup, je regarde les autres. Non, c'est bon, il n'y a que celle-là où j'ai mis. J'ai oublié une ligne. Qu'est-ce que je disais? Oui, et le mur, là. Je l'ai descendu. Voilà, je suis arrivée là. J'étais là à peu près au mur. Et donc, j'ai fait ça jusque-là. Donc là, j'ai quand même bien bossé, je trouve, sur celle-là. Elle avance bien. Bon, il est temps que les couleurs soient un peu plus pétantes. Mais ça va. Hop. Donc ça, c'était la maison météo. Derrière, c'est... Non. Celle-là, je peux le fermer parce que j'aurai rien d'autre à vous montrer. Hop. Et ici, alors je ne sais pas à quelle heure vous allez avoir la vidéo, enfin à quelle heure vous l'aurez eue, hein, puisque demain matin on bouge un petit peu. Donc j'espère qu'on m'en voudrait pas si vous avez eu la vidéo en retard hein, aujourd'hui. Voilà, alors j'ai avancé ici. Alors ça c'est un lion, voilà, c'est un genre de lion. Donc j'ai commencé, vous voyez, sa tête, sa queue et une patte, voilà. Elle avance bien, je trouve. Bon, c'est une très grande broderie aussi. Hein. Je ne sais plus la taille qu'elle fait, celle-là. Est-ce que je l'ai ici? Je vais vous le dire. Ouais, celle-là, elle est grande. Alors,
Ah, non, j'aurais pas. Je l'aurais pas là, je pense. Je regarde quand même, mais je crois pas que je l'ai. Non, je n'ai pas la taille là. Bon, c'est pas grave. Et voyez, le lion, donc, je suis en train de faire, c'est ça. Enfin, c'est un genre de lion. Je sais pas. Vous voyez? Non, c'est pas un lion, ça. On dirait plutôt un dragon. Ouais, c'est un dragon. Un genre de dragon. Voilà, c'est ça que je suis en train de broder. Ouais, c'est plus un genre de dragon. Donc ça, c'est un Old Forest. Il est où? Ah, je crois que je l'ai là. Si, ça y est, je vais l'avoir. Ouais, c'est ça, c'est des dragons. Alors, le dessin en entier, vous voyez, c'est ça. Voilà. Ah. Voilà. C'est ça que je suis en train de faire. Donc là, moi, je suis ici. Ah. Là, je m'en vais même avec la table. Oh là là. Arrête. Arrête de faire des conneries, Edith. Bon, voyez, je suis en train de faire celui-là. Voilà. C'est pas possible. Voilà. Vous voyez? C'est celui-là. Donc le vase du milieu est fait. La queue du paon, là, est presque terminée. Voilà. Alors, la taille, par contre, du coup, est-ce que je l'ai là? À descendre. Je l'ai pas, c'est pas possible ça. Bon, écoutez, c'est pas très grave, mais. Ah, si, ça y est. Je me disais. Fait 257 points sur 318. Voilà. Donc c'est ça, ça doit être, j'ai dû calculer dans les 50 sur 70, un truc comme ça, en centimètres. Voilà, bon, on y est arrivé. Oh, je suis désolée, hein, c'est complètement décousu aujourd'hui, mais voilà. Donc il avance doucement, mais sûrement. Mais j'aime beaucoup le faire, j'aime vraiment beaucoup le faire. Alors, niveau grande broderie normale, c'est bon. Alors, j'ai fait également mes HAED, mais j'ai pas fait les. Enfin, si, sur les deux, j'ai fait un qui était prévu, mais le deuxième, vous avez pu voir dans une vidéo, je n'avais pas fait celle que j'avais prévue. Alors, j'ai avancé, celui-là, c'est le. C'est, comment il s'appelle celui-là? Voilà. Ici. C'est le Hayden Harbor, voilà, de Andy Russell. Donc, moi, c'est le Color Expansion. Il fait 150 couleurs. Donc, je vous remontre la photo. On va essayer de ne pas faire tomber. C'est celui-ci. Alors, vous commencez malheureusement à le voir, celui-là, en version chinoise. J'ai montré sur mon groupe la différence entre les deux. Et il y a une différence au niveau des couleurs, voilà, et une différence au niveau de la forme. On dirait ils ont resserré le dessin, ça fait qu'il y a des formes qui sont pas la forme des montagnes, tout ça, ben, elles sont pas tout à fait pareilles. Vous savez, on dirait qu'ils ont compressé l'image un peu. Et du coup, on voit quand même des différences, pas seulement dans les couleurs, mais on voit des différences dans le dessin également. Voilà. Mais bon.
Tu sais bien que tout le monde ne peut pas acheter, malgré que c'est ce qu'il faudrait. Je sais, vous allez me dire, tu te fous du monde parce que tu présentes, tu fais des partenariats avec des boutiques chinoises, je sais, oui. Mais j'essaye de montrer le plus possible des broderies qui ne sont pas de créateurs. C'est quand même. Ça peut, je peux me tromper une fois, voilà. Des fois, il m'arrive que je montre une broderie, mais j'ai pas fait gaffe. Pourtant, je cherche à chaque fois et c'est passé à travers et c'est celle d'un créateur. Donc, des fois, ça arrive. Mais j'essaye au maximum de ne pas montrer des copies, au maximum. Et moi, j'essaye de broder. Moi, je brode que des broderies, à part mon. De trois estampés là, mais c'est parce qu'ils étaient déjà commencés, et encore, c'est pas des à part la dame de Noël, mais c'est pas des copies. Voilà, donc j'essaye de je brode que des originaux. Voilà, à part une qui n'est pas un original, mais voilà. Donc ici. C'est l'avancée du coup de mon paysage, de mon Hayden Harbor. Donc, je vous rappelle, ça c'est Andy Russell. Donc, vous le retrouvez sur le site HAED. Vous tapez dans la barre de recherche Andy Russell. De toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos et vous verrez toutes ces créations qui sont en vente donc sur le site HAED. Alors j'ai quand même hâte de commencer à arriver dans les montagnes parce que le ciel c'est un peu c'est la part le ciel c'est la partie la plus contraignante à faire, vous savez, presque sur toutes les broderies il y a toujours une partie que c'est qui a pas de motif, c'est dit plusieurs couleurs mais qui ne représentent pas un objet, une montagne, une maison, voilà, un personnage. Et c'est cette partie-là la plus longue à faire. Donc, je suis en plein dedans. Mais bon, là, j'arrive. Ici, je devrais bientôt arriver dans les montagnes, normalement. Voilà. Mais sinon, je suis vraiment contente de l'avoir repris, celui-là, parce que... dans l'autre sens. Je l'avais abandonné pendant un bon moment. Mais malheureusement, j'aurais pas dû, parce que du coup, j'aurais pu avancer beaucoup plus. Mais je suis vraiment contente de l'avoir repris. Alors, je devais avancer ma steampunk. Puis je sais pas pourquoi. Enfin, si je sais pourquoi, j'ai avancé sur ma japonaise. Vous avez pu voir cette semaine une vidéo. Alors, en général, vous aimez bien ce que je fais comme ça. Ça, je vous remettrai là-bas. J'ai fait une vidéo silencieuse ASMR. Et vous avez bien aimé. Alors. J'ai des personnes qui aiment moins, bon, ça se comprend, hein, les vidéos silencieuses, c'est tout le monde n'aime pas, hein, je comprends, la ASMR, voilà. Mais donc je dis ça aux personnes qui n'aiment pas les vidéos silencieuses, vous inquiétez pas, je vais faire des vidéos, je continuerai quand même à faire des vidéos silencieuses, mais je continue également à en faire en musique. Ou j'en ferai aussi en papotage. Voilà. Là-dessus, je vais continuer à faire pour que tout le monde soit content. Voilà, qu'il y en ait pour tout le monde. Des silencieuses, des musiques et des papotages. Voilà. Alors, bon, il n'y a pas grand-chose d'avancé, mais voilà. Donc ça, hop, je vais mettre comme ça, on verra mieux. Donc ça, c'est ma japonaise. Donc, j'en suis qu'au début, hein, vous voyez bien. Alors, la japonaise, j'ai fait 322 croix.
Voilà, j'en ai fait 322. Donc, elle est faite sur une toile étamine EasyCount. Voilà, c'est une toile que j'ai eue dans la boutique de Mère ou Fille. Donc, n'hésitez pas, si je vous le dis à chaque fois, mais si vous ne connaissez pas la boutique de Mère ou Fille, n'hésitez pas à m'envoyer un email pour que je vous envoie une invitation. Comme ça, avant de vous inscrire sur le site, comme ça vous permet d'avoir 15% de réduction sur votre première commande pour 30 euros d'achat. Ce n'est pas négligeable, hein? Voilà. Donc j'aime là, bon, j'avance doucement mais sûrement. Pour l'instant, il y a pareil, hein, on ne voit pas grand-chose sur le motif. C'est ce que je vous disais, hein, quand on est dans les coins. Voilà. Et donc là, moi je suis dans ce coin-là. Hop, vous voyez, il n'y a pas de vraiment de motif. Donc voilà le dessin. Alors il y a, alors comment elle s'appelle? Grazia. Je crois qu'elle vient sur ma chaîne en plus. Je suis désolée, j'arrive. Alors j'ai une très mauvaise mémoire des noms, des pseudos, des. J'en suis désolée, mais c'est comme ça. J'ai une très mauvaise mémoire des noms, des pseudos. Donc je suis toujours en train de chercher après vos noms, vos pseudos. Et vous pouvez voir des fois même en commentaire si votre pseudo n'est pas dans votre profil YouTube, bah, des fois je ne me rappelle plus. Alors des fois je ne marque pas votre prénom. Donc ne m'en veuillez pas. Alors où est-ce que j'ai. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, sa vidéo. Allez voir que je vais pas la retrouver, je vais regarder dans mes abonnements. Et elle est vraiment bien bien avancée. Ah voilà, Gaia Pagos. Voilà. Alors, je vous montre. Alors regardez la vignette ici en haut. Oui. C'est où elle en est. Voilà. Donc c'est Gaia Pagos. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Voilà, si vous ne la connaissez pas encore. Je ne sais même pas quand. Je sais plus quand est-ce qu'elle a commencé cette broderie. Là, il y a un an. Il y a un an, elle était dessus déjà. Il y a un an encore, un an, 2 ans. Ouais, donc ça fait déjà un bon moment qu'elle est dessus, hein. Là, je vois, il y a 2 ans. Ouais, ça fait plus de 2 ans qu'elle est dessus, de toute façon. Voilà. Donc je vous mettrai le nom de sa chaîne. Je vais me marquer parce que comme ça, je ne l'oublie pas. Et je vous inviterai à aller découvrir sa chaîne en même temps. Elle fait de la broderie, beaucoup de broderie également. Elle a fait du coloriage, mais je crois qu'elle, je sais pas si elle en fait encore en ce moment. Voilà, bon, soit. Je vous inviterai à découvrir sa chaîne si vous la connaissez pas. Donc, elle fait ce modèle, mais elle est beau. Bah, ça fait 2 ans, elle, hein, qu'elle est dessus. Moi, je viens de le commencer. Donc, elle est largement plus avancée que moi. Voilà, alors du coup, j'avais fait la japonaise au lieu de faire la steampunk parce que bah, j'en avais envie. Voilà. du coup, tablette, on va tirer au sort ben, les HAED.
Merci. Alors, HAED, ici. Donc, HAED sur la roue, j'ai. Alors, j'ai déjà le chat dessus, mais il n'est pas encore préparé. Alors, j'ai le paysage, la japonaise et la steampunk. Bon, si je tire le chat, à moins que j'ai fini de le préparer cette semaine, mais ça m'étonnerait, je verrai. Voilà. On va voir ce qui va sortir. C'est le chat. C'est le chat. Bon, on va refaire un tour. C'est pas très grave. Et je voudrais bien commencer rapidement aussi le chat, de toute façon. Oh, c'est pas possible. Bon, bah ça veut dire, Edith, tu prépares ton chat. D'accord, ok, je vais le préparer. Allez, on va y arriver, hein. Ah bah la japonaise, c'est ça? Non. Si, la japonaise. Voilà. Alors, on a sorti la japonaise. On va le marquer. Voilà. Et le deuxième, bah, tout à l'heure j'ai marqué, j'ai fait un tirage. Ah si, je l'ai marqué là, oui. Autant pour moi. Allez, un deuxième. Le paysage. Ok. Bon, bah, ce sera comme cette semaine. Voilà. Alors, niveau broderie, bah, je vous ai tout montré. Enfin, tout montré. J'ai pas tout fait, hein, donc. Mais je vous ai montré ce que j'avais fait. Je vérifie si j'ai rien oublié. Alors, la maison météo, le pays, l'achat des paysages, le pan, les carottes, la broderie fleurs, je vous l'ai montré. Le colibri. Excusez-moi. L'achat des la japonaise, le broderie mystère, je vous l'ai montré. La fleur et la dame de Noël. Voilà. Bon, ben, je vous ai tout montré. Je ne vous montre toujours pas l'ATC. Alors, j'ai reçu par contre l'ATC de ma binôme. Je vais bientôt faire une vidéo dessus. Moi, mon ATC à moi part lundi ou mardi. Non, mardi, je pourrais pas. Donc, je vais essayer de l'envoyer lundi. Mais la poste, c'est lundi après-midi. C'est compliqué chez moi maintenant, là, le bureau de poste. Je crois même que bien, ils vont bientôt fermer tout le lundi. Alors le lundi, c'est ouvert à moitié. Le jeudi, ils ouvrent à 10h30. Le samedi, je crois qu'ils ouvrent plus. Donc ça devient compliqué, les bureaux de poste. Donc oui, bon, ça partira cette semaine. Mélanie le sait, je lui en ai parlé. Donc il n'y a pas de souci. Donc comme ça part au Canada. Je pense qu'il va falloir une dizaine de jours pour que ça arrive. Donc, à moins que je vous fais une vidéo de ce que j'ai reçu. Et bon, je verrai comment je vais faire. Je verrai.
Je me prends pas la tête tout de suite parce que sinon ça va pas le faire. Donc voilà, niveau broderie, bah, c'est tout. Je vais ranger ça pour avoir un peu plus de place. Je me fais une petite pause de 5 minutes pour moi, mais vous, c'est un micron de seconde, un dixième de seconde. Et on se retrouve tout de suite pour la suite, c'est-à-dire le tricot et le crochet. Me revoilà. Alors, on parlait tricot. Ben, on va parler tricot. Couverture météo. Donc, comme vous avez vu la semaine dernière, j'ai reçu mes laines parce qu'il me manquait une laine pour continuer ma couverture de l'année dernière. J'ai pu du coup la reprendre et l'avancer. Alors, je suis là. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Donc, il y a 200 mailles hein, en tout. Voilà. Hop. Vous voyez. Donc, et je fais en aller-retour. Voilà. Donc, là, j'ai avancé de 4 jours. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. J'ai avancé 4 jours, ce qui me fait 8 rangs de 200 mailles. Donc, alors, il me reste moins d'un mois et demi à faire. Donc, ça, c'est bien. Ça avance. Tranquillou. Tranquillou. Mais à l'avance. Donc, ça, c'est. Je suis contente. Bon, je serai encore plus contente quand elle sera finie. Hein. Mais bon, quand elle sera terminée, je crois que je fais des finitions. Donc. Elle sera, une fois finie, elle ne sera pas encore terminée. Il faudra que je fasse son assemblage et puis faire la dentelle autour, etc. Voilà. Alors, celle de cette année, à part aujourd'hui, donc samedi, je n'ai pas fait, comme j'étais très très fatiguée, je n'ai pas pu faire mon rang. Donc, il sera fait pendant que je ferai le montage de ma vidéo. Voilà, là, je suis à jour. On commence à voir autre chose que du bleu. Vous voyez, là, on a du vert maintenant. Voilà, le vert menthe. Alors là, je suis dans ma semaine bride. Voilà. Alors, je vous rappelle, je fais une semaine en maille serrée, une semaine en bride, une semaine en maille serrée, une semaine en bride, etc. Donc là, j'étais dans ma semaine bride. Bah, écoutez, elle a déjà bien, bien avancé, hein. Bon, j'ai pas mesuré encore combien elle faisait, mais voilà. Donc là. Le 1er janvier et ici bah là elle est faite depuis jusqu'à hier. Voilà. Donc celle-là, pas de retard. Je ne veux pas de retard de toute façon sur celle-là. Pas faire comme l'année dernière. Sauf souci de santé ou quoi qui m'empêcherait de la faire. Mais je tiens à faire mon rang tous les jours. Même pas dire de faire toutes les semaines, non, je fais tous les jours. Ça me prend un quart d'heure, donc ça va vite. Alors, on avait fait un tirage au sort pour les tricots. On avait choisi le pull Armel, donc ça c'est le nouveau pull, et le débardeur de Chouchou. Alors, le pull Armel, j'ai avancé, bien sûr.
Voilà, j'en étais, j'étais là, donc j'ai avancé de tout ça. Alors comme je vous avais dit, celui-là, je l'agrandis, hein, je vais le faire plus long que ce qui est préconisé, parce que sinon on va voir mon gros bidou, donc je veux cacher mon bidou. Alors, ça fait la deuxième, pas sur ce fil-là, mais sur une autre pelote, fil d'art. Donc, toutes les deux, c'est du fil d'art. Les nœuds. Des nœuds dans les pelotes. Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Là, ce que j'aurais pu faire, c'était le couper et puis le refaire proprement. Mais bon, ça va, ça se voit pas. Mais c'est une calamité ça, les nœuds dans les pelotes. Voilà. Donc, il avance bien. Il avance plus vite que les autres. Là, je suis. Voilà ce qui reste de la deuxième pelote. Et voilà ce que j'ai fait avec deux pelotes. Donc là, j'ai fait. Je dois être à 30. J'ai fait combien? Là, j'ai fait environ environ 28 cm. Déjà, normalement, il en fallait 22 pour commencer, enfin pour mettre un marqueur aux emmanchures, parce que là il n'y a pas de diminution ni rien aux emmanchures, va juste mettre des marqueurs. Donc normalement c'était à 22 cm, là je suis déjà à 28. Comme je vous avais dit, je voulais je pense faire une pelote. Donc une pelote, c'est ça, je voulais faire ça en plus. Mais bon, je vais calculer, je vais voir en le mettant sur moi par rapport aux emmanchures, jusqu'où ça arrive à mon ventre, mon bidou, et j'arrêterai à ce moment-là. Je mettrai mon marqueur si je vois que la taille est bonne. Mais au maximum, je ferai une pelote en plus sur le devant. Et sur le dos et sur le devant, bien sûr. Alors, le deuxième pull que je devais avancer, c'était la pull à chouchou. Alors, voilà la pelote. Et j'ai. Ben, on ne voit pas beaucoup avancer, hein, parce que c'est vraiment fin. Donc j'ai fait ça. J'ai fait combien de rangs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 rangs. Voilà. Donc ça, c'est le devant, hein. Le dos est déjà fait, hein, bien sûr. Donc là, pareil, non, il y a encore. Je crois qu'il y a encore au moins 10-15 cm avant les emmanchures. Donc, mais après, ça va aller vite. Comme c'est un truc en pointe, ça va aller très vite. Voilà. Du coup, niveau tricot, bah, c'est tout, puisque j'en avais tiré deux au sort. Je vais retirer au sort pour voir lesquels que je ferai. Puis si j'ai plus de temps, de toute façon, je tricoterai plus, mais on verra. Alors, tricot. Donc, il y a le pull fil d'art, le pull camionneur, le pull armel et le pull débardeur de chouchou. Allez, on va voir ce que le hasard me dit de faire. Bah, le pull de chouchou. Voilà. Décidément, cette semaine, ça me fait tout comme la semaine dernière. Voilà. Et un deuxième.
Ah, le pull camionneur. Voilà. Donc ce sera le. Ah, j'ai oublié. Je vais le marquer. Le pull camionneur. Voilà. Bon, si j'avance bien, si ça va bien cette semaine, j'essaierai d'avancer sur plus d'ouvrages, hein, mais on verra. Alors, je rappelle que niveau des salles, ça, je tire au sort quand je le fais. Les salles, bon, ben, ça, vous savez ce que j'ai, hein. Et donc là, je tire au sort chaque jour pour savoir si j'avance sur un sale. Mais là, bon, alors, je rappelle, il y aura la semaine prochaine, donc en HAED, déjà la japonaise et le paysage. J'essaierai de préparer le chat. Je vous dis, là maintenant, j'ai reçu ma toile. J'ai tous mes fils. Pense, j'ai commencé à préparer une boîte, donc j'ai plus qu'à bobiner. Mais comme le chat, on commence par une bordure noire, j'ai le temps de bobiner en même temps, au fur et à mesure, si je ne bobine pas tout de suite. Ensuite, ma broderie, les broderies. Les ronds, les paons, le toast, le bouddha, la grenouille et la carotte. Donc, on verra ce que je ferai. Les estampés, du coup, il y aura la fleur, ça c'est sûr. Le cheval et la dame de Noël. Voilà, ça c'est ce qui a été tiré au sort. Les salles, bah, j'ai toujours à travailler sur mes salles, salles mystères, le colibri, Alice au pays des merveilles, le nouvel an, la maison météo, le salle de Julia et les ours de Noël. Alors il faut que j'avance tout ça, parce que là on sera déjà le milieu du mois et j'ai pris du coup à cause de cette semaine, j'ai pris beaucoup de retard sur tous mes ouvrages. Donc on essaiera de faire au mieux. Et en tricot, il y aura donc le pull à chouchou et le pull camionneur. Voilà. Si jamais je veux avancer sur un autre truc entre deux, je le ferai, hein, mais voilà. Alors, comme je vous avais dit, alors le challenge, je ne vais pas le calculer cette semaine. Parce que de toute façon, il est pas atteint du tout. Je n'ai pas du tout atteint mes 3000 croix. Je rattrape mal à la tête là, je suis désolée. Ouais, le challenge, je ne calcule pas cette semaine, mais je sais que je ne l'ai pas réussi. C'est rien, c'est pas grave. Hein. C'est un challenge que je me fais toute seule, hein, de toute façon. Donc voilà. La semaine dernière, je vous avais dit hein, si jamais ça vous intéressait de le faire ou quoi, mais bon, personne ne m'en a parlé. Donc, c'est que ça ne vous intéresse pas. Donc je me fais mon petit challenge à moi et puis donc je me rebase encore sur 3000 croix sur la semaine et on verra ce que j'ai réussi à faire et bien sûr j'ai mes couvertures 2023 et ma couverture 2024. Voilà, bah écoutez, je suis désolée, aujourd'hui la vidéo aurait été un peu moins longue, on est à peu près à 1h30 quand même. Voilà. Mais la vidéo a quand même été moins longue. De toute façon, là, je sens que je refatigue pas mal. Donc, je vais stopper là aujourd'hui. Je vais sauter dans mon pilou-pilou et me mettre sous la couette. Comme je vous ai dit, ben, j'espère que vous n'aurez pas eu la vidéo trop tard ce dimanche. Et en attendant, ben moi je vais vous faire plein de gros bisous comme ça. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche si vous êtes en train de regarder dimanche, une bonne semaine pour ceux qui vont travailler.
Je crois que ça va être les vacances, enfin nous dans le nord. C'est vendredi, je crois. C'est ma belle-fille qui m'a dit tout à l'heure, ah bon, il y a quand des vacances. Des vacances scolaires. Donc si vous êtes en vacances, ben, bonnes vacances à tous. Et ceux qui travaillent, ben, bon courage à vous. Voilà. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.